Déjà, mes amis étaient tellement dans la joie de me voir dans cette belle robe. Moi aussi, on pouvait que pousser des cris de joie et oh my god, je me rappelle encore. Moi, j'avais hâte. J'avais pas peur d'affronter les gars. À son entrée, je m'attendais qu'elle puisse chanter parce que c'était ça qu'elle avait déjà prévu. Mais c'est juste qu'on avait amené les micros en retard. Alors, pour moi, quand je chantais, déjà, je ne savais plus que j'allais chanter parce que moi, je voulais normalement chanter du début, vraiment, quand je rentrais dans la salle. Et donc, parce qu'on ne m'avait plus donné le micro, pour moi, c'était fini. Et à un moment donné, par surprise, je vois quelqu'un me ramener le micro. Ouh, je dis OK. Et c'est là que j'ai commencé à chanter, mais vraiment tout ce qui coulait, ça venait de mon cœur. J'avais rien préparé. C'était juste mon cœur qui était en train de parler à Dieu. Aucun ange n'arrive à gérer une femme, raison pour laquelle ils ne peuvent pas se marier. Aussi vrai qu'ils sont puissants, leur puissance est céleste, ils ne savent pas comment vivre avec les réalités terrestres. Le seul être qui a cette capacité s'appelle l'être humain. Mais cette capacité vous donne aussi des interdits. Le péché est un interdit, en pensée, en parole, en acte. La sainteté de la femme, c'est tout ce que Dieu demande à la femme de faire à son homme. Quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes », tu deviens saint lorsque tu aimes ta femme. La douceur chez un homme, c'est une sainteté. La sainteté dans l'homme qui se marie, ça n'a rien à voir avec « Rande boshandeto sekater ». Parce que ton épouse ne peut pas te répondre « Inande brochende nahand ». Mais cette sainteté, c'est de pouvoir lui dire « Que tu es belle ce matin ». Lorsque tu dis de telles choses, c'est une sainteté tellement grande que même les anges ne comprennent pas comment tu peux parler d'une telle chose et cela plaît à Dieu.
L'homme qui voit la quantité des éloges qu'il fait à sa femme diminuer doit savoir que la quantité de sa sainteté diminue. La sainteté de la femme, c'est bien le fait d'être soumise, mais pas qu'on lui fasse une prise de soumission. Ce qui veut dire la soumission de votre femme n'est pas un règne méchant et macabre de l'homme. Mais sa soumission, c'est le fait d'être capable de maîtriser votre caractère pour le bien de la maison. La vie, vraiment, la prédication et tout, les services étaient vraiment... formidable. Donc, vraiment, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Oui, papa, on vous aime beaucoup. En entrant dans cet endroit, vous êtes venu avec des anciennes alliances. Elles vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui. Là où vous allez, vous avez besoin d'une nouvelle alliance. Les alliances nouvelles existent. Vous devez continuer à grandir avec Dieu et à entendre sa voix. Car des nouvelles choses que Dieu vous dira vous donneront des nouveaux accès dans les dimensions. Ce que vous avez connu avant avait des limites. Celle que vous recevrez aujourd'hui comme alliance n'en a pas. Elle est bien plus grande que celle que vous avez connue. Elle est bien plus efficace que celle que vous avez connue. Ainsi parle Dieu. Je parlerai à nouveau dans votre demeure. Je révélerai à vos cœurs des nouvelles choses. Gardez vos oreilles disposées. Les nahonde sunelanchawe. J'augmenterai votre force. Plus vous marcherez, je vous affermirai. Et andonose nahonde. Et l'année roche y amante kazende. Et abresuta y magante nazontanehande. La prière que vous recevrez du pasteur Enoch aujourd'hui sera des codes qui définiront les opportunités que Dieu vous accorde de ces jours. Il n'y a personne qui, ayant parlé avant ce jour, n'aura le dessus de parler encore ou d'imposer une chose dans votre vie. À compter de ce jour, les mots que son serviteur élèvera ici définiront les frontières nouvelles de votre destinée. Vous devez devenir plus grand que vous l'êtes aujourd'hui. Les nouvelles alliances vous donneront des accès plus grands. Il vous révélera des nouvelles choses. Dès cette nuit, les songes commenceront. Les anges visiteront à nouveau la maison pour révéler de nouvelles choses. Vous n'êtes pas que Rosny et Francis. Vous êtes deux alliances. Vous êtes deux alliances. Vous êtes deux alliances. Le monde subit votre alliance. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prêché en posant ces mots sur vous. Amen. J'invite le pasteur Enoch, s'il vous plaît. Non, en fait, on ne s'attendait pas à ce nombre de gens qui sont venus au mariage religieux. Oui. C'était la première des choses. À la bénédiction nuptiale. Quand on était en train de préparer notre bénédiction nuptiale, on a dit quelque chose à Dieu. On a dit, Seigneur, nous voulons ta présence. Nous désirons ta présence. Et je pense que tout le monde qui était là a pu ressentir la présence de Dieu. La salle était inondée par la présence de Dieu. Alors, nous vous autorisons, allez-y. Vous pouvez ôter ce voile aujourd'hui. Allez-y. Sous les acclamations de la salle, s'il vous plaît. I love to praise your name. I love.
C'est bien elle, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez promettre vraiment de l'aimer, de la chérir, de vivre avec elle pour toute votre vie? Vous le promettez? Vous promettez de l'aimer, de le chérir, de rester soumise comme la Bible vous le recommande? Oui, je le promets. Acclamons très très fort à la gloire de notre Dieu. Okay. Okay. Gentumbi shanzambi, mfuki wa juu ni buloba. Wakuita bosho basi jisu kujalelu. Tujisangisha. Kumpala kwa bale jibayi, bale jibeba. Jingangata Jupangajik. Jakufuna. Pikala. Je crois que papa Henri pouvait déjà interpréter. Je sais qu'elle a toujours voulu m'entendre parler Chiluba, mais voilà, je ne parle pas assez souvent. Alice Hadid. From the day that I saw you, that I was going to love you, to be a husband for you. Many cannot understand, but, and you don't even notice that I saw you in 2012. But when I met you, I remember who I saw. But I've always told you that one day you'll know why. This is the day I want you to know that I had already seen you. I looked for you. I've been searching for you. It's funny. It's funny that tears are falling. My heart is full of joy, you know. My heart is full of joy when God reminded me about what He promised to me that year. And I saw it coming to pass after years that I've been searching. I confess, I looked for you in people, but you were not there. I tried to search you different places. To love you, to be a husband, to be the intercessor for you, to be behind you. My pleasure is to see you going forward. I'm not the front line person, but I'm a backstage guy. Papa, I'm so comfortable. Et comme il bâtonne combien? Boyenge Benezo matin. Always be there. Even if I'm not in front to hold your hand, but know that I'll be holding your back from the back. I'll pray for you. I'll prophesy over you. I'll prophesy for you. And I love you. Rest. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer à la gloire de notre Dieu? Amen. All right, baby. What can I say? I remember the first time I saw you at church. There was something really special and different about you.
you know, everybody was happy to see me after a song, and everybody was coming to me to make pictures. But you did not come. You looked at me from far. And I was like, where's this guy? Where's this guy? What does he think he is? Like, okay, don't worry. I mean, I don't know you, you don't know me. Damn. But then after years we started talking and I noticed that you were so special. You were so different. And one day I actually realized that you had a screenshot of the first time I sent you a message. So you actually were not just so, you know, courageous to come to me and talk to me. And that's okay. I guess I'm your wife now. Anyways. Okay. La première fois que Francis m'a aidé, il m'a envoyé, on était en train de parler comme des habits, il m'a envoyé de l'argent. Et j'ai envie de dire le montant parce que c'est symbolique pour moi. J'avais pas d'argent, j'étais broke. Et moi, des fois, quand je passe par des moments difficiles, j'en parle pas aux gens. Donc, mes parents, tout le monde ne savait pas. Et alors, Francis m'a envoyé 35 euros. C'est pas beaucoup en Europe. Mais ce qui me touche et ce qui me pousse à parler de cette histoire, c'est parce que c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait que ça. Et il avait pris tout ce qu'il avait pour m'envoyer parce que il fallait que je... I needed to do grocery. And from that moment, I understood that you were the man for me because you could forget about yourself and think about me. I knew, je savais que tu pouvais prendre soin de moi. Je savais que tu étais l'homme, pas parce que tu m'avais envoyé beaucoup d'argent, mais parce que tu avais fait un geste qui m'avait prouvé, qui m'avait montré que au moment où j'aurais besoin de toi, tu étais en mesure de t'oublier. Donc un jour, tu pourras aussi t'oublier pour nos enfants, tu pourras aussi t'oublier pour notre famille. Et ça fait de toi un homme bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Francis est un homme bien. Partout où il part, dans la rue, il salue tout le monde. Francis, au fait, he's not a troublemaker guy. He's not that kind of guy. Bon, après, je ne suis pas en train de dire que si tu nous voyais en train de... et que c'est vraiment moi qui ai commencé, mais bon. Il peut aussi commencer, mais là, plusieurs fois, ça serait peut-être moi. Bon, maintenant. OK. I just want to tell you that I love you. Je te promets de t'être fidèle. Je promets qu'à chaque fois qu'on sera à Kinshasa et qu'il y aura des moustiques, je ferai tout pour faire sortir toutes, on dit toutes les moustiques ou tous les moustiques? Toutes. Bref, moustiques. De la maison pour que tu dormes bien parce que tu supportes pas les moustiques. Et que pour que tu ne sois pas tout le temps en train de faire. Ok, vas-y. I love you. And I love being your wife. Et ces dernières paroles, je veux le dire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as unis. Merci Seigneur parce que malgré les circonstances, malgré tous les combats, tu as été fidèle. Acclamons très très fort à la gloire de notre Dieu.
The battle. Bien danser, mais malheureusement il fallait que quelqu'un gagne. Nous on a bien dansé, vous avez bien dansé, alors nous on a gagné parce que voilà, on a fait quelque chose de plus que vous. Ah, ok. Oui. Qu'est-ce que c'était la chose? T'as pas vu la vidéo où j'ai fait 1, 2, 3, 4, je suis descendue. Vraiment, j'étais surpris, c'était ma première fois de voir ma voix s'en va danser comme ça. C'était un peu bizarre. Ok, wow. Ouais, c'est vrai que j'étonne les gens quand ils me voient danser, mais depuis mon enfance, je dansais beaucoup. C'est l'apparence que vous avez de Maman Sandra qui... I worship you, mighty God. Ça, c'est l'apparence que vous avez toujours de moi. C'est une partie de moi, mais l'autre partie de quelqu'un qui aime bien mettre l'ambiance, bouger, que là où je suis, qu'il n'y ait pas de tristesse. Ça, c'est aussi une petite partie de ma personne et de ma personnalité. Cadeau de Madjabou. Je sais que tout le monde veut savoir c'était quoi.